Are they ready for school? Yeah. Ah, look, like they're not ready. Are they ready for school? Yeah. I like that there. Fini les vacances. Yeah, he's gonna check us out and sign us out. Okay. Fini les vacances. Okay. All right. Fini les vacances. Les enfants, le plus jeune rentre à l'école et le boulot recommence après deux semaines de congé, deux semaines de repos. Ça, c'est d'ailleurs pour répondre à la question de la vidéo, pour confirmer la vidéo précédente où on me demandait de savoir combien de temps est-ce que je fais sur la route et combien de temps je prends pour les congés pour me reposer. Donc voilà, en moyenne deux semaines, minimum une semaine. Et si c'est trop long, je prends 3 semaines. Là, j'ai fait 2 semaines avec la famille, avec les enfants et tout. Et c'est la rentrée scolaire. Et ils retournent à l'école et moi, je retourne au boulot. En direction de la Floride, ça recommence très très fort où mon partenaire, c'est lui qui a les rênes. On va se rassurer qu'il n'a rien oublié et que tout se passe toujours bien. En attendant, pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est surtout pour ceux-là qui se posent la question de savoir est-ce que j'ai besoin d'un diplôme, est-ce que j'ai besoin de faire... Est-ce que j'ai besoin de faire... Oh, wow! The drain is probably locked somewhere. Donc du coup, pour ceux-là qui se posent la question de savoir est-ce que j'ai besoin de faire une formation préliminaire, est-ce que j'ai besoin d'avoir un diplôme, est-ce que je suis obligé de parler l'anglais pour être chauffeur camionneur aux États-Unis, simplement, moi, je vous dirais non. Oui et non, mais particulièrement non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un diplôme particulier pour être chauffeur camionneur. C'est une formation professionnelle. OK? D'autres font les 7 ans pour être docteur. Pour être chauffeur camionneur, tu as besoin du minimum pour savoir lire, écrire, compter, et parler. C'est-à-dire le lycée. Okay? Le minimum, c'est le lycée. Finir le secondaire et avoir son bac. Oui, c'est joué. Il a fait le supérieur. J'ai 4 ans sous ma ceinture en comptabilité et management, logistique. Banque, j'ai une formation en électromécanique, ingénierie, j'ai une formation en médecine, mais tout ça, aujourd'hui, ça ne me sert à rien. Parce que le minimum requis, c'est le bac. Okay? Et j'ai eu le bac depuis il y a de cela quoi. Depuis 2007-2008, nous sommes en 2022. Donc plus de 12 ans, 13 ans aujourd'hui. Donc voilà ça, vous n'avez pas besoin de diplôme particulier, juste finir votre secondaire. Et est-ce que vous avez besoin d'une formation avant? Non. Si vous avez une formation, ça serait bien pour l'expérience, rien d'autre. Pour avoir l'expérience de la route, du métier, savoir quoi faire, quoi ne pas faire, c'est toujours bien d'avoir un complément d'expérience. Ça aide. Mais lorsque vous venez vous travailler avec moi ou alors dans le métier de chauffeur camionneur, vous avez les mentors, en anglais on dit mentor, les coachs, les formateurs, donc on vous suit jusqu'à ce que vous êtes prêt. Est-ce qu'il faut parler anglais encore? Parce que vous êtes dans un pays, un état où on parle anglais, c'est carrément une, je ne vais pas dire une obligation, mais c'est nécessaire. Ça vous facilite la communication. Okay? Vous ne voulez pas que je vous parle en anglais pendant que vous comprenez seulement le fufulbe ou alors le swahili. Donc du coup, oui, l'anglais est important. Donc, mais est-ce qu'il faut absolument parler anglais pour arriver ici là? Non. Donc arriver aux États-Unis, si vous ne parlez pas anglais,
simplement, vous prenez les cours de langue. Oui, ça, voilà, c'est ce que j'avais voulu partager avec vous aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, être chauffeur camionneur aux États-Unis, il faut d'abord être aux États-Unis. Il faut avoir le permis de travail aux États-Unis. Et il faut être légalement, il faut être légal aux États-Unis, bien sûr. Au minimum, avoir son permis de voiture. Right. I pre-plan the road. That's probably I want to take you to 81 and then the state route now. You're gonna reroute it. You're gonna reroute it once you take you get back on 476. 476. Yes. We're going down down south. Right here. Yes. Donc du coup voilà. Merci bien d'avoir écouté la vidéo. Désolé. Là encore, je n'oublie pas, je suis en formation, donc du coup j'ai la tête et les yeux partout et je me permets de vous passer un message pendant que je forme mon coéquipier. Donc voilà, pas besoin de formation, d'école, de diplôme, la langue importante et une petite expérience, oui, c'est-à-dire au moins savoir comment conduire la voiture, les règles de la route, la sécurité routière, et on vous forme tant que vous êtes légal aux États-Unis et en mesure de pouvoir travailler sans souci. Allez, bien des choses à vous, portez-vous bien. C'est un petit voyageur, je suis de retour sur la route dans le camion. Comment ça lit? Fort. Une valise. Une pipe. Une fille. Un maïs. Un remède. Pas le saumon. Il est bien le dernier là. Par contre, c'est ta mort.